Bienvenue dans In the Word avec Pasteur Zik. Nous avons invité aux jeunes avec nous dans un moment de dévotion et la prière. C'est plus bon bagage, nous sommes capables de commencer la journée dans la parole, bon Dieu. À nous prier. Grand Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel là, c'est avec humilité nous venons devant ma terre pour nous dire merci. Merci parce que vous réveillez nous. Une autre fois encore, merci parce que vous permettez de passer une nuit en bien. Ou te protéger nous, te protéger famille nous. Et qu'on y est là, nous venons joindre ensemble pour nous passer quelques bonnes minutes dans la présence, dans le mandat, s'il vous Seigneur, pour que vous capable de nous sagesse, de nous guidance, et enseigner nos matins en parole. Dans le plus bel moment, nous passer, c'est là nous la caille, c'est là nous la pied, c'est là nous adorer, c'est là nous prier, dans le mandat, s'il vous plaît, pour que je ne sois capable de journée bénie. Et on va faire chaque monde qui va attendre la méditation matin, on va premièrement toucher nam chacun de nous et on va édifier nous et on va apprendre nous leçons que ouais, nous avons besoin pour matin. C'est dans notre petit tout Jésus nous prions. Amen. Yon l'autre fois encore, Frère Maxime, nous retournons sur le même sujet que nous avons parlé de lui depuis quelques jours. C'est pas peur, do not be afraid. Nous jeunes, comme nous disons, nos jeunes phrases à répéter, commandes à répéter plusieurs, en pile fois à travers la Bible. Donc, ce matin, nous va ouais ensemble, y a l'autre serviteur de Dieu, c'est roi Josaphat. Donc, c'est lui-même que nous va ouais, y a un bref moment dans la vie, monsieur. Donc, on va inviter à tourner avec nous dans 2 Chroniques chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er jusqu'à verset 29. On va besoin un peu, on va voir le fort, lire tout verset. Donc, on va seulement focus sur l'histoire, partie de l'histoire de la vie de Josaphat qui parlait d'une confrontation qu'il a gagnée ensemble avec. Les fils de Moab avec les fils d'Ammon et les Maonites. Donc, nous va prendre quatre premiers versets pour nous commencer et Sœur Nadège va lire pour nous. Après cela, les Moabites et les Ammonites, aidés par les Méonites, viennent faire la guerre au roi Josaphat. Des messagers l'annoncent au roi en disant « Une armée nombreuse arrive contre toi. Elle vient de l'autre côté de la mer morte, du pays d'Édom. Elle est maintenant à Hassason Tamar, c'est-à-dire en Guédi. » Josaphat a peur. Il décide de consulter le Seigneur. Il demande à tous les habitants du royaume de Juda de jeûner. Les Judéens viennent de toutes les villes du pays et ils se rassemblent pour demander l'aide du Seigneur. Amen. Amen. Donc, Takou, quatre premiers versets, un chapitre là, déjà, Baou, ils ont idée de ce qui a passé. Donc, nous joignons, chapitre là, commencé avec, avec après cela. Si c'est un bim anglais que vous avez suivi, c'est after this. Ça signifie. Donc, il faut retourner pour les chapitres précédents là, pour que vous capable ouais exactement pour qui raison ils mettaient après ça, qui s'attendait avant ça. Donc dans le chapitre avant où je viens côté que Josaphat t'es fait un réveil, une réforme spirituelle et une réforme sociale dans Juda. Donc, t'as bien remédié, tout bagay était allé très bien. Après, monsieur fin fait réforme ça, bien malheureux, c'est pas comme ça fait parfois. Après, l'on fin gagne une grande victoire, après, l'on fin gagne un bon moment dans un réveil spirituel. Eh bien, ces moments-là, tout parfois, où il y a des attaques spirituelles qui viennent sur. Donc,
Naturellement, après nous finir, passer des temps, des jours en prière, passer plusieurs semaines où tu es en réveil qui dure soit 7 jours ou bien 14 jours. Parfois, nous avons tendance pour nous relax. T'as exhorté ou pour pas faire ça parce que le plus souvent, attaque yo vini après moment ça yo. Parce que pendant que ou prend temps pour relax là, ça capable rend nous très vulnérables. Donc nous joignons Josaphat qui a face une situation, il y a les fils d'Amon, les Maonites et qui vini pour attaquer Josaphat sans que li pat provoke, aussi les fils de Moab sans que li pat provoke en contre l'an, yo vini yo te pour marcher contre lui, pour faire la guerre contre lui. Now, dans verset 3, dans sa frayeur, Josaphat décidé pour consulter le Seigneur et lui proclamer un jour de jeûne pour tout Juda vini pour prier. Donc, nous t'a dit Josaphat, malgré lui en face la peur, mais il prend pi bon décision te ka pran. En pile fois les la peur envahi nous pas avancer bien, mais nan cas ça Josaphat te prend pi bon décision que te ka ki te capable prendre parce que li réaliser que ennemi sa yo que li gen en face li a li pa ka goumé ensemble avec yo. Gen 3 gros l'armée qui mettaient ensemble et là ils tout réunis, ils viennent faire un chiffre qui vraiment large côté que Josaphat pas équipé assez pour ta gagner, pour ta livrer bataille contre eux et pour ta gagner. Donc en pile fois le nous en face problème dans la vie qui ça nous fait. Nous avons tendance pour nous paniquer. Nous avons tendance pour nous quitter la peur envahir nous. Donc Josaphat lui décide de consulter le Seigneur, proclamer un jour de jeûne et nous capable comprendre c'est pas seulement adulture qui t'est venu dans jeûne là, c'est ni grand monde ni petit monde, tout monde obligé jeûner. Donc nous pas rentrer dans la leçon sur jeûne jeudi hein, mais ça a une très grande importance, gain une série de bagages là ou à lutter, conseil de problème qu'on gagne, jeûne n'est nécessaire. Parce que même Jésus, dans Matthieu, il dit, gain des esprits, le pour nous, en lutter contre eux, faut nous, c'est avec jeûne et prière, pour capable lutter contre eux. Ça veut dire, jeûne n'en, n'y jouons pas intégral dans la victoire spirituelle d'un chrétien. Donc, la force difficile pour que ou conseil de victoire pour gagner yo sans que ou pas rentrer dans jeune côté que ou concentrer ou négliger propre corps besoin propre corps pour capable arriver chercher la face de Dieu. Ça veut dire dans moment ça ou dit manger pas important pour moi, l'eau pas important pour moi, c'est ça besoin dans mes bon Dieu, c'est lui-même m'a chercher. Donc Josaphat a présenté en prière bien rapide, nous t'aimé passer sous prière Josaphat. Donc nous va lire pour vous, c'est verset 7 jusqu'à verset 12. C'est bien toi notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays quand Israël ton peuple y arrivait. Et tu as donné ce territoire pour toujours aux membres de la famille d'Abraham, ton ami. Ils se sont installés là et ils ont construit un temple pour toi en disant, « Un malheur nous atteindra peut-être un jour, la punition de la guerre, la peste ou la famine. Alors nous viendrons devant ce temple, c'est-à-dire devant toi, puisque tu es présent en ce lieu. Nous t'appellerons au secours du fond de notre malheur. Tu nous écouteras et tu nous sauveras. Eh bien, maintenant, regarde, voici les Ammonites, les Moabites et les Édomites qui viennent nous attaquer.
quand nos ancêtres ont quitté l'Égypte, tu ne leur as pas permis de traverser les pays de ce peuple. Nos ancêtres ont alors pris un autre chemin et ils ne les ont pas détruits. Mais aujourd'hui, ils nous récompensent en venant nous chasser de la terre que tu nous as donnée. Toi, notre Dieu, est-ce que tu ne vas pas nous rendre justice contre eux? Nous sommes faibles devant cette armée immense qui vient nous attaquer et ne nous savons quoi faire. C'est pourquoi nos yeux se tournent vers toi. Amen. Amen. Dans prière Josaphat, nous joignons partie dans prière là qui semblait très proche avec l'autre prière que nous yon promesse. Nous a dit que nous te joignons que bon Dieu te fait à Salomon. Là nous aller dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 13 à 16. Nous joignons côté que dans inauguration temple là, côté que bon Dieu te fait promesse ça yo. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de la pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc dans promesse ça yo nous joignons Josaphat dans prière li fait et li énoncer exactement promesse que bon Dieu t'a fait à Salomon les temples t'a inauguré. Donc l'important li gen 6 ingrédients que nous joignons dans prière Josaphat que nous t'aimer focus sur lui, nous t'aimer juste passer sur yo bien rapide. Nous joignons premièrement dans prière Josaphat li lagué situation dans même mon Dieu. Li lagué situation dans même mon Dieu, li reconnaître que c'est bon Dieu seulement qui a sauvé nation. Vous connaissez l'heure que ou pas capable faire une évaluation de problème ou il est fort difficile pour joindre une solution pour lui. Une fois que ou capable évaluer d'un coup là il est possible pour joindre une porte de sortie. Et deuxième ingrédient que nous joignons, Josaphat cherchait la faveur de Dieu parce que peuple là c'est peuple bon Dieu qui est. Donc il est pas à l'essayer prend décision pour contre lui sans que le pas consulter bon Dieu. Il déjà ouais situation à aller plus haut que capacité pas lui. Il déjà reconnaître en faiblesse lui. Donc il cherchait une force qui est supérieure à lui-même puisque bon Dieu t'a fait promesse dans 2 Chroniques chapitre 7 les peuples ont un problème, les en face des dangers, les la gain la peste qui tombait c'est pas seulement bon Dieu pas seulement délivrer peuple là les grands armées qui campaient contre eux mais parfois qu'on y a la peste qui tombait parfois bon Dieu qu'on quittait la peste tombée en façon pour que peuple là retourner à lui-même il qu'on quittait ennemi attaquer eux pour que capable retourner à lui-même donc il cherchait faveur bon Dieu. Troisième ingrédient nous joignons dans prière Josaphat li reconnaître la souveraineté de Dieu sous situation que la traversée. Li reconnaître la souveraineté de Dieu sous situation que la traversée. Là non pas en pile fois nous décourager. C'est tant qu'on nous dit problème ça trop gros pour bon Dieu résoudre. Et c'est ça qui est arrivé le nous quitter découragement rentrer dans cœur nous là nous quitter doute rentrer dans cœur nous surtout là nous joindre l'autre monde cap alimenter découragement donc c'est ça qui qu'on arrivé donc reconnaître la souveraineté de Dieu
au-dessus de situation qu'on gagne. Donc, oui, problème, yon gen wa gros, c'est vrai, mais bon Dieu, nous a mille fois plus gros. Et quatrième bagaille que nous jeunes, quatrième ingrédient, nous jeunes dans la prière, Josaphat, li bay bon Dieu gloire et li prend confort dans la promesse que bon Dieu fait. Li bay bon Dieu gloire, ça veut dire, li dit bon Dieu merci d'avance, avant même ni jeune victoire là, et il déjà connaît que promesse que bon Dieu fait avec bouche li, sa bouche li dit, mais li accompli. Donc, c'est ça, nous t'a dit, bye bon Dieu, fais bon, bye bon Dieu gloire sous crédit. Il est vrai, nous pouvons joindre ça, nous demander, et bien c'est ça la foi, tant qu'on nous dans Hébreux chapitre 11. La foi, c'est assurance que sans demander, même le pouvons en mais on déjà senti déjà là. Monde qui a regardé avec l'œil de la foi, il pas regardé dans le même niveau avec un monde qui a regardé avec yeux Chanel. Yeux Chanel là, il ouais seulement ça le kawé. Et puis il est limité à ça seulement. Monde qui a regardé avec yeux physique, il seulement ouais situation en janvier et il fait logique pour dire bagaille ça m'a pas supporter. Et puis, il pesait bouton panique là, comme nous on dit déjà. Et une fois qu'on pesait bouton panique là, ça te passait. Ou vient pas qu'à réfléchir, ou vient pas capable penser droit pour ta formuler une solution qui capable aller suivant Jean d'adouer aller. Cinquième, nous joignons que Josaphat a professé à bouche li, que li dépend de bon Dieu. C'est verset que en pile nan nou qu'on répétait nous par contre qui ça nous doit faire devant quantité moun sa yo qui vient attaquer nous. Nous ne savons nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Il reconnaît qu'il n'est pas capable. Il reconnaît que situation est trop pour lui. Il a besoin un bon Dieu pour camper ensemble avec lui. Il cherche faveur bon Dieu. Il reconnaît la souveraineté de Dieu sur problème. Il bail bon Dieu gloire et il déjà prend confort dans la promesse que bon Dieu a déjà fait dans la parole. Li. Et il professait que lui totalement dépend de Dieu, il pas compter sur propre tête pas pour délivrance que lui a besoin pour délivrance que l'a cherché. Et nous joignons, c'est ça qui rend possible pour que Josaphat, c'est cinq ingrédients ça que nous joignons dans prière Josaphat. Donc, Frère Maxime, c'est ça que nous t'aimons encourager pour que vous appliquiez. Cinq ingrédients ça yo dans prière nous. Premièrement, tant que nous t'ai dit tout à l'heure, reconnaître que situation la guerre situation là mais bon Dieu, reconnaître que ou même pour contre pas capable mener lutte là pour contre et donc définitivement ou gain besoin assistance de Dieu pour capable arriver gain la victoire, chercher gain faveur mon Dieu. Donc, ça veut dire chercher faire volonté, mon Dieu, et dans toute bagaille. Mettez, tant que verset a dit, fais de l'Éternel ta délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, chercher faveur de Dieu, et puis reconnaître souveraineté de Dieu dans toutes circonstances. Donc, pas gagner un problème qui pique gros, passer, mon Dieu, et commencer par les gloires. Même là, ou pour qu'on recevoir ça, ou chercher à même là, ou pour qu'on gagne victoire là, commencer à dire merci pour victoire que le baou, et aussi déclarer de dépendance sous bon Dieu. Déclarer dépendance sous bon Dieu, parce que c'est seulement lui-même qui est capable vraiment baou en délivrance qui garantit. Donc, c'est là nous camper mon matin. Donc, demain matin, nous va partager avec vous. Reste passage là qui parle nous de réponse que Josaphat te recevoir. Donc, à nous prier pour nous terminer.
Non, point à nous, Éternel, non, point à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour grâce avec faveur au Seigneur. Nous disons merci pour parole, l'Éternel, qui l'a pour réconforter nous, parole ou qui l'a pour ban nous courage, parole ou qui l'a pour faire nous connaître que nous pas besoin peur. Même Jean parole ou dit dans Ésaïe 41 ou dit Seigneur Dieu dans verset 10 ou dit ne crains pas rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Merci Seigneur pour promettre Merci au Seigneur Dieu. Merci Seigneur pour parole ou qui c'est la vie et la vérité. Même Jean-Josaphat dit Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Papa chéri, dans minute ça Seigneur Dieu, Dieu nous était fixé sur vous Seigneur pour chaque petit ouyo qui a fait face à une difficulté, pour chaque petit ouyo Seigneur Dieu qui camp dans l'hôpital dans minute ça Seigneur Dieu qui travaille qui expose vie pour capable aider yon l'autre Seigneur Dieu. Dieu nous rete fixé sur vous Père Éternel parce que nous connaissons de vous même toutes sortes de délivrance absorties, toutes sortes de protection et de sécurité absorties. L'Éternel des armées, nous mandons tant pour papa chéri ou à visiter chaque petit ou tout partout côté et dans le monde entier Seigneur Dieu ou à mettre la peine en cœur yo, ou a dit yo, pas peur, parce que c'est sa parole ou dit, pas peur, pas peur, nous pas peur Seigneur, parce que nous connaît ou a marché ensemble avec nous, ou a fortifié petit ou yo, ou a campé avec yo Seigneur Dieu, tout partout côté yo yé, ou a marché ensemble avec yo Seigneur Dieu, pas quitter yo ébranlé, fait yo habiter dans parole ou en bas zèle ou Seigneur Dieu, afin que yo capable joindre sécurité. Avec nous, bon papa, dirigez-nous, nous prions comme ça, au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la souveraineté, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous on dit cela déjà. Merci. Et bien, Frère Maxime, c'est là nous camper dans un petit moment dans la parole là. In the Word, c'était Pasteur Zik et Sœur Nadège qui a dit merci pour support nous, merci pour vos commentaires. Nous vraiment apprécié ça et nous encourager, pas oublier, partager. Et surtout abonner pour que chaque fois vidéo montée pour capable joindre un notice là. Donc nous apprécier support que bon Dieu capable bénir, capable garder et surtout faveur et protection capable sur. Passez une excellente journée.